salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve cette fois-ci pour l'inauguration de ma playlist de Versus. Je suis en compagnie de Horace. Salut Horace. Salut X-Rouge. Bon, donc Horace, déjà que tu m'avais accompagné pour une autre vidéo, déjà il me semble. Exactement, pour Marvel le Lego. Lego. Le Lego sur PlayStation 4. Bon, ben déjà, ça me fait bien plaisir de te retrouver, mais bon, voilà, dans pas longtemps, tu vas me mettre ma tôle. Je rappelle le principe de cette nouvelle playlist. Vous venez chez moi avec votre jeu, ou le jeu si je l'ai, tant mieux, quoi. Ou bon, bien sûr, on peut se rencontrer aussi en ligne, obligé de se rencontrer IRL. Donc du coup, vous venez, vous mettez la piquette au jeu auquel vous êtes bon, voilà, pour... Oui, ou tu nous la mets, en gros, PGM. Oui, voilà, enfin, je pense que ce sera plus dans ma version, quand même. Ça va s'effectuer dans la version que je viens de citer. Donc du coup, j'espère. Mortal Kombat 9, donc du coup, le jeu auquel tu penses pouvoir m'éclater la gueule, ce que je confirme, ça va être le cas. Hein. C'est le jeu sur lequel, j'ai passé des nuits à m'entraîner, à faire des fatalities. Ouais, bon, alors, je précise que ça fait longtemps que j'y ai pas rejoué. Hein. Donc, à mon avis, ça risque d'être en dessous du niveau qu'on a déjà atteint. Hein. On n'est pas non plus pareillement. Bon, je rappelle juste que voilà, on a déjà fait 2-3 matchs, Horace et moi. Bon, on va dire que sur 10 matchs, voilà, et comme je lui ai dit, il en gagne facilement 8, moi j'en gagne 2, si ce n'est 9 à 1. Quoi. Ça dépend des personnages, parce que tu m'avais sorti les personnages des DLC. Violent. Je joue Kenshi, oui, hein, en quelque sorte. Oui, le fameux adepte du Madao, l'aveugle avec le turban rouge là. C'est ça, avec la longe qu'il a au sabre, je me faisais humilier. Donc gros menu, donc tu me proposes quoi du coup? Donc moi ce que je te propose de faire, c'est un mode versus, ouais. Avec 2 challengers par équipe, en gros 4 adversaires. Ouais. En gros chacun en contrôle 2. D'accord, donc en gros un 2v2, mais toi dans l'équipe de 2 et moi dans l'autre. Exactement. Sur 3 rounds. Sur 3 rounds. Et sans chrono. Sans chrono. Avec le choix des personnages non aléatoires. Eh bien écoute, on va faire ça. Bon, après, bon, parlons. Après, voilà, comme j'ai dit aux gens, le jeu, c'est pas un jeu que je vais présenter. Mortal Kombat, tout le monde sait ce que c'est. Non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, non? J'ai fait un truc pourri, j'ai pas pris le... Voilà. Ça y est, c'est mieux. Donc, Sub-Zero Kung Lao, comme ça ne m'étonne pas. Bon, j'aime faire dans l'originalité. Bien entendu, Scorpion, forcément, et Kenshi. J'aurais pu prendre Smoke, hein, j'aurais pu... Ouais. Donc, je voulais dire, ouais, voilà, futurement, du coup, on t'appelle certes Horace, mais bientôt Zeta, donc qui dit nouveau pseudo, dit nouvelle chaîne. Exactement. Et donc, voilà, quitte à se lancer dans un peut-être futur partenariat, mais bon, on va pas en citer plus. Oui, parce qu'on est encore sûr de rien. Mais grosse surprise qui attend les autres. On fera des choses ensemble, mais est-ce qu'on fera un partenariat, on verra. Ouais. Et sur la chaîne, je précise, ce sera pour commencer du gros contenu sur Starbound, donc le jeu indé PC. Les jeux, ouais. D'ailleurs, tu vas t'appuyer sur beaucoup de jeux Valve, quoi. Exactement, c'est ça. Kenshi. Bon, très bien. Bon, ben de mon côté, Scorpion Kenshi, quoi. Et de mon côté, Sub-Zero. Ah, et Kung Lao. En sachant qu'on ne peut pas vaincre Sub-Zero. Ça va bien chier des bulles carrées. Ouais, franchement, manquerait plus que ce soit moi cette fois-ci qui te batte pour le versus. Ce serait vraiment drôle. Bon, à mon avis, tu vas plutôt chier des glaçons. Oui, bah oui, j'en doute pas. On verra. Ouais. Bon, désolé si on parle pas beaucoup, hein, on va plutôt surtout faire des... Ah putain, non, on fait pas ça. Mais bon. Allez, on verra. Let us go. Bonne chance à toi. Ça commence bien. Ça va commencer. Ah lui, il s'était préparé en fait, tu t'étais entraîné. Non, non, du tout. Non, non. Déjà, ça va porter. Allez, c'est bon, je m'énerve. Je vais bouffer ma merde. Mange ça donc. C'est pas vrai. Bon, voilà. Ça, j'en ai marre de ces bulles de merde. Ouais, voilà. Sub-Zero et sa lenteur habituelle. T'es sérieux, toi, lenteur. Magnifique. Encore, on a pas switché de personnage. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, voilà. Ouf, je l'ai pas vu. Ah putain, t'as tout le temps switché, toi. Mais c'est pas vrai! Eh ben ouais, écoute! Attention, c'était un piège! Voilà. Oh non! T'es le X-ray! Allez! Dans ma gueule! J'aurais plus mal au nez! J'aurais plus mal aux côtes! C'est ça! Olé! 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 Et olé! Mais c'est pas possible! Olé! Et tu vas enlever le basket? Ah merde! Non, c'est bon, tiens! Retourne dans ton usine de fabrique basket. Oh, ce cliché! Oh, le cliché! Tout ça parce qu'il est chinois! Tout ça parce que je suis chinois!
Et noir. Noir qui noir. Bref, pire dans Pokémon, tac. Salut. Toujours plus politiquement correct. C'est ça. Allez, tiens, viens là, le chinois. Bon, je suis très blanc live. Bon, ce qui sent la grosse victoire pour toi. C'est ce qu'on verra, hein. Oui, bon, voilà. C'est bon, t'as pas besoin d'en rajouter. C'est donc ça. Je rappelle la playlist Versus, quoi, qui était faite pour... à la base, voilà, tout le monde me disait « Ouais, mais est-ce que tu fais divers prises quand tu nous présentes par exemple des jeux Call of ? Est-ce que tu fais plusieurs parties ?» Je disais « Ben non, tout simplement parce que moi... » Mais putain, mais prends-toi mon X-Ray dans la gueule. Il joue X-Ray. Voilà, c'est ça. Oh, la faiblesse. Je disais « Non, voilà, je présente des jeux, peu importe si je fais ou si je gagne, mais voilà, il s'est avéré que par chance, je suis toujours arrivé sur des parties où est-ce que... » Ben, c'était une bonne partie principalement, quoi, voilà. Donc, le fait est que je me suis dit pourquoi pas présenter une playlist, ben, où est-ce que je me fais bien m'arraver grave la gueule, quoi. Oui, enfin, pour l'instant, là, sur ce round, je vais fermer. Ben, y a rien, c'est tout. Ouais. Pour ce round, t'es en train de m'éclater, c'est tout. Mais enfin, là, ça risque d'être moins marrant pour moi. Et prends-toi tous ces coups de katana dans la tête. Dixit, le mec. Oh non. Wouhou, oh, mais quel bâtard. Ah, c'est dégoût. Oh, mais putain de merde. Putain, tombe. Tombe un peu. Gèle un peu. Si on veut se refaire un jeu de combat, voilà, un peu. Plutôt un Bloody Roar de maman. Ouais, on verra. Moi je serais bien partant pour un Injustice. Oh non, voilà, ouais, le jeu, parce que tu le verras sur des combats, sur des styles de jeu à la DC Comics, hein, c'est pas maintenant. Ah bah de toute façon il a été fait par les producteurs de Mortal Kombat 9 et ouais, mais il est très potable, hein, ça me passe plus que ça. BIM. Oh, magnifique filet d'entrée. J'ai plus mal au nez. Et t'as plus mal aux côtes. Et au froid d'ailleurs, parce que là c'est la glacio. Au pec. C'est ça. Attention. Je vais encore me geler une fois. Ouais, j'aimerais bien, mais bon, le problème c'est que tu as tendance légèrement à esquiver des X-rays. C'est ça. Oh bon, ah bah c'est bien un piège. Si je le touche. Putain, je l'ai même pas tapé, quoi. C'était un petit piège, allez bien. Non. Bien, on est bien. Je peux même pas le toucher, ce mec. Ah putain, oui, bien prends sûr. Prends-toi ça, c'est le de katana là. Qui font bien mal. Ils font mal, mais écoute ça. Ah, ouais, c'est viens mal. Voir. Viens me voir ici. Viens non, moi j'ai pas très envie. Viens là, on va pas. Viens ici. Non. Viens ici, petit enfant. D'accord. Ça tombe. Ah, j'aime ça. J'aime. Quoi, t'aimes? T'aimes quoi? J'aime le voir geler, ce personnage. Allez, tiens, bouffe comme ça là. Mange. Mais c'est vrai qu'en plus j'ai combien. Mais putain, mais depuis quand? C'est pas possible. Depuis qu'on peut se baisser dans Mortal Kombat. Ouais, bon. Faut avouer que Mortal Kombat 9, quand même, c'est pas un jeu où est-ce que. Il y a très peu de coups quand même. Oh. Bouh. C'est bon, t'es pas obligé d'en rajouter. Moi, je vous conseille de boycotter la chaîne Vix Rouge pour revenir sur la mienne. Allez sur la chaîne noire, d'ailleurs je la publierai dans la description de la vidéo. Si t'as envie, mais je m'en fous. Ah putain. Si, vas-y, je la publie et du coup tu. Comment ça s'appelle, hein? Tu me laisses gagner. Ouais. En fait, ce que vous savez pas, c'est que juste avant, il m'a filé un gros billet de 500 et il va faire un retournement de situation. Ouais, ben là, regarde, c'est bientôt là, mais voilà. Seulement, lui, je le connais pas. Alors, je vais faire tout ce que bon joueur de Mortal Kombat fait habituellement, hein, c'est-à-dire un truc bien pourri. Voilà, est-ce que je vais y arriver? On verra. Gauche-droite, triangle. Gauche-droite, triangle, non. Gros coup de pied. Non, rond. Allez, ok, magnifique. Pourquoi faire des fatalités quand on peut faire rond? Bon, bah écoute, je te félicite, bien joué. Merci beaucoup, hein, on se serre la main visuellement. Ça aura été bref. Voilà, c'est un serrage de paluche IRL, mais vous ne pouvez le voir. C'est ça. Bah écoute, bravo Horace de m'avoir mis ma tôle 3-0 là. Bravo à toi. C'est violent. En fait, j'avais tellement peur de perdre que j'ai mis tout ce que je pouvais. Bon, après, non, quand là, même pas. Hein. J'ai eu zéro répit, quoi. Ouais, c'est putain. Vrai que j'ai non, mais c'est parce que voilà, je sais pas jouer à ce jeu. C'est pour... Non, mais genre le mec il se justifie. En fait, j'y ai jamais joué. D'ailleurs, il est pas à moi le jeu. Non, c'est pas ma play, non. Ouais, voilà, comme je dis d'habitude, c'est vous venez avec votre jeu, sauf que Mortal Kombat c'est un jeu que j'ai. Donc j'avais eu l'occasion de m'entraîner. Voilà, des fois on trouve meilleur que soi et c'est le cas. Voilà, c'est plus souvent le cas qu'autre chose. Non, mais après ça dépend aussi des personnages. Mettez-moi des personnages que je connais pas et tu me poutrais. La dernière fois t'as pris Smoke quand même, j'ai eu grave ramassé. Oui, mais bon, Smoke et Noob, c'est des personnages cheatés. C'est aussi. Ça, c'est vrai. Bon, enfin bref. Mais écoute, merci à toi de m'avoir mis une grosse tôle. Mais de rien, avec plaisir. Donc voilà, bon, mes premières vidéos pour inaugurer la playlist Versus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt, qui sait, le prochain, ça pourrait être vous.
Donc merci Horace et à ciao tout le monde.